Voici un DVD éducatif pour les régatiers débutant leur aventure dans la classe internationale 420. Revenons en 1959, quand Christian Maury a dessiné le premier 420. Il pensait à un bateau léger qui serait facile et bon marché à produire. 50 ans plus tard, le 420 est le plus populaire des dériveurs doubles au championnat. Il est représenté dans plus de 45 pays. La plupart des coureurs en 420 se dirigent vers des bateaux olympiques et deviennent pour certains d'entre eux champions du monde sur différents supports, que ce soit en course, en flotte ou en match racing. Dans le petit temps, le plus important est la position des équipiers et leur déplacement par rapport au voile. En premier, le barreur doit dire « parer à virer » pour démarrer la manœuvre. Le barreur l'offre lentement et l'équipier aide le bateau à contre-jiter en se penchant au vent. Ensemble, le barreur et l'équipier doivent ramener le bateau à plat dans le même mouvement. Après le virement, la barre doit être droite et la grande voile dans l'axe du bateau. Après le virement, le barreur doit se retrouver avec la barre d'écoute entre les jambes et immédiatement vérifier la tension de sa chute de grand voile. L'équipier est responsable de changer le foc de côté et de gérer le mou des écoutes de spi. Ensuite, il doit également vérifier la tension de chute du foc. Pour un virement parfait dans le petit temps, le bateau doit au moins avoir 45 degrés de bascule. Regardons la trajectoire d'un bon virement de bord vu du ciel. Afin d'améliorer vos virements, vous devez revoir les déplacements du barreur et de l'équipier depuis différents angles. Une astuce, laissez le foc à contre un instant avant de le choquer et de le reprendre sur l'autre bord. Cela accélérera la rotation du bateau. Un bon virement dans le petit temps est très important. La vitesse du bateau peut être quasi nulle pendant un mauvais virement. L'animation 3D nous donne l'opportunité de voir un virement de bord bien exécuté. Notez que le bateau ne s'arrête jamais et reprend rapidement une vitesse élevée. Des mouvements lents et coordonnés sont nécessaires pour empanner dans le petit temps afin de conserver un maximum de vitesse. Le premier mouvement du barreur est de baisser un peu la dérive afin d'empêcher le bateau de trop basculer et de prendre l'écoute de spi sous le vent. Au même instant, l'équipier lâche l'écoute de spi et le barreur se lève et positionne la barre entre ses jambes afin d'avoir ses deux mains libres pour les écoutes de spi. Après l'empannage, le barreur relâche l'écoute au vent pour que l'équipier puisse fixer le tangon au mât et insère l'écoute au vent dans le taquet. Ensuite, il doit également vérifier la tension de chute du foc.
la vue aérienne nous montre comment le barreur déplace le spi afin de le garder gonflé pendant l'empannage. Notez sur la vue intérieure comment l'équipier fait passer la voile à l'aide du halba afin qu'elle porte sur l'autre bord. Comme vous le voyez sur le graphique de vitesse, un bon empannage conserve la vitesse du bateau pendant toute la manœuvre. Passer du prêt au vent arrière en enroulant une bouée est une manœuvre difficile qui doit être préparée surtout par l'équipier. Il y a trois différentes façons d'enrouler la bouée. La première est d'approcher la marque au prêt et de hisser le spi sous le foc. Si le spi n'a pas été rangé dans le sac bâbord, l'équipier doit le jeter devant le bateau pour qu'il soit hissé correctement. Si vous arrivez sur le cadre bâbord, vous devez hisser un peu le spi de 70 cm avant le virement. Le barreur doit se centrer au maximum dans le bateau afin que l'équipier puisse installer le tangon. Le barreur doit hisser le spi d'environ 70 cm, trois longueurs avant la bouée. Pour enrouler la marque, le barreur abat et choque la grand-voile. L'équipier borde l'écoute au vent et l'insère dans le taquet pendant que le barreur hisse le spi. Après l'envoi, le barreur et l'équipier s'assoient sur des côtés opposés et le barreur donne l'écoute à l'équipier. La manœuvre se termine avec le barreur qui règle le foc et relève la dérive. Regardons l'enroulement vu du haut et de l'intérieur. Passer du vent arrière au prêt en enroulant une bouée est encore plus dur pour l'équipier qui doit avoir un bon timing et des mouvements précis. Avant de commencer la manœuvre, le barreur doit descendre la dérive pour mieux contrôler les mouvements du bateau. L'équipier laisse l'écoute au barreur pendant qu'il enlève le tangon et le range dans le bateau. Immédiatement après, il affale le spi en trois brassées. Ensuite, les deux équipiers font giter le bateau, puis le ramènent à plat en bordant les voiles. Suivant la forme du parcours, l'équipage devra exécuter cette manœuvre sur tribord s'il est en présence d'une porte. À la fin de l'enroulée, les coureurs doivent ranger les écoutes de spi et vérifier leur tension de chute de voile.
tracer du près au large est la même chose que pour partir au vent arrière. La différence est qu'à la fin de la manœuvre, il ne faut pas abattre. La manœuvre doit être terminée en moins d'une longueur. Regardons la rapidité de cette manœuvre vue du ciel. L'équipage doit utiliser son poids pour faire contre-giter le bateau et porter les coudes de spi au vent. Le barreur doit abattre et remonter plus la dérive. Le prêt dans le petit temps est très dur. Un seul mauvais mouvement et le bateau ralentit, vous faisant perdre beaucoup de mètres. Le bateau doit avoir un peu de gîte et le safran doit rester dans l'axe afin de ne pas freiner le bateau. L'équipage doit utiliser son poids d'avant en arrière pour lever ou enfoncer le nez du bateau. Pour une assiette correcte au près, l'étrave du bateau doit juste toucher l'eau. L'équipier doit se positionner sous le vent, proche du pied de mât, et le barreur doit se positionner de part et d'autre de la barre d'écoute. Le hâle bas doit être détendu et l'équipier doit repérer l'ouverture de la chute du foc pour avoir une référence. L'équipage doit ajuster le cunningham de grand voile et de foc afin d'avoir des plis horizontaux sur le guindant. L'équipier ne doit pas s'asseoir sur les coudes de foc au vent, car cela refermerait la chute du foc et nuirait au cap du bateau. L'équipage doit vérifier régulièrement ses chutes de voile pour optimiser leur réglage. La vue du ciel montre que le bateau doit garder une trajectoire rectiligne pour conserver un maximum de vitesse. Regardons depuis différentes prises de vue embarquées la technique du prêt. Comme on peut le voir sur le graphique, l'équipage essaie pendant un bord de près dans le petit temps de garder une vitesse stable la plus élevée possible. Au large dans le petit temps, l'équipier est au vent proche du brise-lame et le barreur sous le vent proche de la barre d'écoute. Le barreur doit conserver sa tête sous la baume pour un meilleur contrôle de la gîte du bateau. À nouveau, le but est de garder une vitesse stable. Au vent arrière, les voiles doivent rester gonflées tout le temps. Pour cela, il faut une légère gîte et les mouvements des coureurs doivent être très souples. Le cunningham et la bordure doivent être complètement choqués, alors que le hâle bas doit être légèrement tendu. La hauteur du tangon est cruciale, car il modifie la forme du spi. Le côté au vent doit être réglé pour pouvoir lofer,
Ensuite, on règle l'écoute sous le vent. L'équipier tient et règle les deux écoutes de spi doucement, en gardant une légère tension dans les deux. Cette tension permet de garder le maximum de pression dans le spi. Le même principe s'applique au barreur avec l'écoute de grand voile. Le barreur doit être assis proche de la poulie de spi afin d'être avancé au maximum, mais sans gêner l'écoute. Quand l'équipier doit border l'écoute de spi sous le vent, il doit le faire très doucement. Regardons, vu du ciel, à quoi ressemble l'entraînement au vent arrière. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il faut rester le plus doux possible pour éviter une baisse de vitesse. While racing, an athlete must always be comfortable. So every one of us can make his own personal choices about clothing in the water. Here we are about to demonstrate some of the basic clothes in our opinion that an athlete should wear. For the skipper, what we must always have in mind is that we always have to wear shoes that have anti-slipping bottom. That is very necessary in order to avoid sliding in the boat that can really even injure us. For the main body, we recommend a light, short neoprene wetsuit, not to be over than 1 millimeter thick, in order for the skipper to feel comfortable. The neoprene will keep us warm while the water is cold. As sailors, we must always take care about our protection from the sun. This is the most important thing for everybody. So, what we can do is that we can wear a long overtop shirt like this one so that it protects us from the dangerous sunlight. Also, we must never forget to have a strong sunblock for the face and for the body that is not covered. Also, we always have to wear hats and caps. It's always necessary, either like this one or a full hat. As we all know, the weather can change very, very quickly. So we cannot carry in the boat or wear with us a spray top. The spray top for the skipper is very, very important, because when the water hits the boat, then it goes to the legs of the crew and smashes into our body and face. So spray top can really save us from a lot of water and cold. So let's go at the cruise outfit now. First of all, it's very important, and not the slip shoes, so we feel very steady in the boat and always have the control. Afterwards, we should wear a very thin neoprene to keep us warm, and also long that we will not injure our legs. It's very important to wear always long pads. As my skipper said, we should always be aware of the sun, so we should always wear long t-shirts so they can protect us from the dangerous sun. Talking about the upper body, we should always keep warm. A lot of water hits on us, so we usually wear those spray tops to keep us warm, because when you're warm, you can think more fast. Our necessary cloth is, of course, the harness. Without this, you can't trapeze. So don't forget it. Finally, very important for all positions in the boat, the life jacket. We should never forget that and always wear it, even slight wind or strong wind.
Quand le vent monte, le principal changement au virement est la gestion du trapèze. À nouveau, le virement démarre quand le skipper dit « parer à virer » et doit être réalisé entre deux vagues pour ne pas arrêter le bateau. Le barreur doit mettre le stick proche de son corps et l'équipier se décroche du trapèze en gardant tendues les coudes de foc. Puis, l'équipier traverse le bateau en gardant les coudes tendus afin d'aider le bateau à tourner. Pendant le virement, l'équipier doit relâcher le foc quand il vient à contre, puis le reborder sur l'autre bord. Rapidement, le barreur doit se mettre au rappel et l'équipier doit sortir au trapèze et s'accrocher. Après la fin du virement, l'équipage doit se positionner au bon endroit dans un mouvement synchronisé. Regardons un bon virement dans le médium vu du ciel. La caméra embarquée nous donne plus d'informations sur les détails techniques. Pendant le virement, l'équipier doit se tourner vers l'avant quand il passe sous la baume et garder l'écoute au taquet afin de ne pas risquer de la relâcher pendant son passage. L'équipier doit se rappeler de garder le taquet devant son corps et non l'inverse. Le graphique montre qu'un virement bien effectué entre deux vagues permet de maintenir une vitesse constante pendant la manœuvre. Un empannage bien effectué dans le médium ne doit pas ralentir le bateau. Des mouvements lents et bien contrôlés sont nécessaires. Le barreur doit baisser la dérive pour réduire le tangage du bateau pendant l'empannage. À nouveau, l'équipier doit aider la grand-voile à passer en attrapant le hallebas pendant que le barreur positionne la barre entre ses jambes. Ensuite, le barreur récupère les deux écoutes et règle le spi afin de le garder au maximum gonflé. L'équipier change le tangon de côté et met l'écoute au vent dans le taquet. Regardons comment se passe un bon empannage vu du ciel. Portez votre attention sur les réglages du spi. La caméra embarquée aide à comprendre l'empannage en profondeur. Une aide pour le barreur. Avant l'empannage, vous devez relâcher les coudes de foc. Après l'empannage, l'équipier récupère les coudes de spi sous le vent, puis, ensemble, les coureurs reprennent leur place pour garder la même assiette latérale. Le graphique nous montre qu'un empannage bien réalisé ne fait quasiment pas perdre de vitesse. Les étirements sont très importants pour un navigateur. Quand le vent monte, l'équipier gère l'assiette du bateau en sortant plus ou moins au trapèze en fonction des vagues. Pour une vitesse maximum du bateau, le nez du bateau doit juste être sorti de l'eau afin d'avoir la meilleure ligne de flottaison. Pendant le prêt, l'équipier doit régler sa hauteur de trapèze avec sa main avant. Pour régler la contre-écoute, l'équipier doit insérer les coudes dans le taquet avec sa jambe arrière. Notez comment vous pouvez utiliser votre corps pour aller plus vite dans le médium. Le rôle du barreur quand le vent monte est de garder le bateau à plat en utilisant la barre et la grand-voile. Quand le vent monte, le guindant du foc ne doit pas avoir de plis. Regardons vu du ciel le prêt dans le médium.
regardez une vue embarquée de plus près pour améliorer votre technique au près. Le graphique montre que la vitesse du bateau ne peut pas rester absolument stable à cause des variations de vent et de vagues. Le rôle des équipiers est d'essayer de ne pas trop faire chuter la vitesse. Quand le vent monte, l'équipier doit être à fond au trapèze tout le temps et le barreur doit adapter sa position en fonction de la force du vent. Quand l'équipier sort au trapèze, le barreur doit l'aider à s'accrocher s'il n'a pas eu le temps de le faire. Afin de conserver la meilleure assiette longitudinale pour la meilleure vitesse, l'équipier doit se déplacer d'avant en arrière sur le liston. L'équipier doit régler continuellement les coudes de spi afin d'avoir une vitesse maximale. Entre le petit temps et le médium, le barreur peut être assis sous le vent pour une meilleure assiette latérale. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les changements de vitesse au large sont importants. Avec les trois voiles, la vitesse du bateau est plus stable. Quand le vent monte, le plus important pour l'équipage est de mettre le bateau au planning le plus vite et le plus longtemps possible. L'équipier doit contrôler les écoutes de spi en faisant des mouvements légers. Le barreur fait la même chose avec l'écoute de grand voile pour garder la pression dans la voile. Quand le bateau comité permet le pumping et le hooking, les coureurs doivent le faire pour rester en maximum au planning. Il faut se servir de l'assiette du bateau pour le conduire et peu du safran qui peut faire freiner le bateau. Le graphique montre comment la vitesse augmente quand on plane. Notez l'influence importante du planning sur l'accélération du bateau. Il existe différentes façons d'apprendre à naviguer en 420. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, les coureurs essaient de naviguer les yeux fermés
Pour mieux ressentir la ceinture de trapèze et être plus à l'aise, l'équipier peut faire du trapèze à l'envers. Vous pouvez aussi apprendre le 420 par vous-même. Le virement dans le vent fort est difficile. En effet, il peut rapidement se transformer en chavirage. Dans l'absolu, l'équipage doit effectuer la même manœuvre qu'avec un vent médium. Un changement rapide de côté du foc ainsi qu'une rentrée accélérée du trapèze sont nécessaires pour l'équipier. Pendant le virement, gardez le foc tendu, mais lâchez-le avant qu'il ne gonfle à contre. L'équipage doit rapidement se mettre au rappel et s'occupera par la suite du réglage des voiles. Notez ce qu'il se passe si l'équipier tarde à choquer le foc. Gardez un maximum le bateau à plat pendant le virement pour ne pas trop le ralentir. Lors d'un empannage dans le vent fort, il faut à tout prix garder le bateau à plat. Premièrement, l'équipier tend les coutes au vent et la donne au barreur qui se lève et place la barre entre ses jambes. Immédiatement après, l'équipier lâche les coutes au vent et le barreur empanne quand le bateau est à sa vitesse maximum. Comme dans le médium, l'équipier doit changer le tangon de côté. Attention à être très prudent avec le tangon pour ne pas endommager les voiles. Dans des conditions extrêmes, le barreur peut garder sa position pour mieux gérer la barre et laisser l'équipier lui donner les écoutes de spi après l'empannage. Avant l'empannage, le barreur doit border la grand-voile pour ne pas endommager la baume ou les haubans. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, un bon empannage réduira la vitesse du bateau considérablement sur un temps court. Le bateau ne risquera pas de chavirer et récupérera sa vitesse rapidement. Dans le vent fort, la sécurité est la priorité. Cela s'applique aussi pour la bâtée. La première phase, l'équipier se décroche du trapèze pendant que le barreur choque du halbe. Ensuite, le barreur met la barre entre ses jambes et hisse le spi pendant que l'équipier fixe le tangon sur le mât. La dernière phase, l'équipier fixe les coutes au vent au taquet et le barreur lui donne les coutes sous le vent.
L'équipage s'assoit de chaque côté du bateau pour garder une meilleure assiette. Regardez ce qu'il se passe lorsque l'équipage perd sa concentration. Le passage de la bouée sous le vent dans le vent fort nécessite à l'avance une bonne préparation. La première action est pour le barreur qui baisse la dérive, puis se lève pour prendre les écoutes de spi avec la barre entre les jambes. L'équipier enlève le tangon et le range au fond du bateau. Le spi doit être affalé deux longueurs avant la bouée et l'équipage doit être prêt à sortir au rappel après l'enroulement. On borde les voiles et pendant que l'équipier sort au trapèze, le barreur doit reprendre le halbas et la bordure. Regardons l'enroulement sous un autre angle. Dans ce cas, le barreur lâche complètement le spi car le bateau arrive trop vite sur la bouée. Notez la concentration requise pendant l'enroulement depuis une vue embarquée. Dans le vent fort, le principal est de maintenir la vitesse élevée sans prendre de risques. D'abord, le barreur doit choquer un peu la grand-voile et l'équipier doit rentrer du trapèze, puis sortir le spi. C'est sans doute la manœuvre la plus rapide et dangereuse dans le vent fort. La première action est pour le barreur. Il doit relâcher le halbas et ouvrir la grand-voile, puis reprend sa position au rappel. Ensuite, l'équipier met le tangon pendant que le barreur hisse le spi. L'équipier met l'écoute au vent au taquet. Ensuite, le barreur passe l'écoute à l'équipier et les deux se mettent à leur place pour petit à petit arriver à la vitesse optimale. Le prêt est le point le plus difficile dans le vent fort. On peut gagner beaucoup de mètres avec une bonne technique. Le barreur doit utiliser la barre pour éviter les vagues et choquer la grand-voile pour garder le bateau à plat au planning. L'équipier doit être au maximum au trapèze pour un maximum de vitesse. Il devra aussi mettre des coups de rein pour aider le barreur à garder le bateau à plat. Dans les vents très forts, quand la grand-voile est complètement ouverte, l'équipier doit aussi également choquer le foc. Le barreur doit également relever un peu la dérive. Afin d'affiner les voiles, vous devez prendre un maximum de cunningham. Le barreur doit être derrière la barre d'écoute et l'équipier doit se reculer à côté du barreur pour aider le bateau à planer. Regardez à quelle vitesse vous pouvez aller au prêt.
voir sur le graphique, la vitesse au près n'est pas stable à cause des vagues et des changements d'intensité du vent. Le but de l'équipage est de maintenir une bonne vitesse moyenne. Le plus important au vent arrière, avec du vent fort, est de garder le bateau au planning. Parfois, le vent est si fort que les coureurs doivent naviguer au grand largue pour ne pas enfourner. Du coup, les deux équipiers sont au vent pour garder le bateau à plat. Pendant le planning, le barreur abat et l'équipage pompe pour accélérer un maximum. Attention à ne pas enfourner. Afin que cela n'arrive pas, vous devez vous reculer un maximum dans le bateau. Regardez le graphique et notez comment la vitesse varie suivant si le bateau est au planning ou non. Au largue, le bateau va très vite. L'équipage doit enlever de la puissance dans les voiles pour ne pas chavirer. Lors d'une forte risée, l'équipage doit régler les voiles, abattre ou lofer en fonction de l'intensité du vent. Si les risées sont extrêmes, le spi doit être choqué complètement. Préparez votre bateau, vous devez tout d'abord enlever le tau. Soyez vigilant à ne pas abîmer le bateau pendant la préparation. La seconde étape est de s'assurer que les bouts ne sont pas emmêlés. Ensuite, vous devez fixer les bouts sur les voiles et vous assurer qu'ils sont bien fixés. Les voiles doivent être déroulées avec précaution.
hisser le foc et insérer la grand voile dans la baume. N'oubliez pas d'insérer les lattes dans la grand voile. La première étape est de fixer les barres de flèche sur le mât. Notez qu'il y a différents trous de réglage pour régler l'ouverture des barres de flèche. Fixez les élastiques pour plus de sécurité. Avant de positionner le mât dans le bateau, assurez-vous qu'il n'y ait pas de nœuds entre les drisses et les câbles. Le mât doit être placé avec attention sur le pied de mât. Placez-le entre les deux axes du pied de mât. Enfin, les cadènes de réglage doivent être fixées dans les ferrures et les trapèzes doivent être fixés avec les élastiques. Le bout du tangon doit être assez tendu pour ouvrir rapidement les crochets et assez détendu pour que le système se referme assez. Attention à changer régulièrement le bout car il devient plus court avec le temps. La chose la plus importante pour la préparation de la baume est de fixer le halbas et les poulies de grand voile aux bons endroits. Il est également très important d'avoir une mousse de protection sur la baume à l'endroit où elle touche les haubans. Pour le réglage du cunningham, vous devez d'abord fixer la bordure, puis faire des marques sur le mât pour un réglage plus facile. Les marques sont également utiles pour le système de bordure. Le halbas doit être fixé d'abord à la base du mât, puis sur la baume. N'oubliez pas de faire des marques pour le réglage sur l'eau. Notez comment le cunningham du foc est fixé à l'avant du bateau. Il faut souvent coucher le bateau pour régler la hauteur du foc pour que la bordure soit juste posée sur le pont. Regardez la façon de le faire pour ne pas abîmer votre bateau. La même chose peut arriver sur l'eau afin d'ajuster la hauteur entre deux manches. Le barreur et l'équipier doivent tous les deux aider à coucher, puis remettre le bateau droit. Thank you.
Si vous chavirez, vous devez rapidement sécuriser le vide vite et remettre la dérive droite. L'équipier doit s'accrocher à la dérive et commencer à tirer le bateau. Quand le bateau est presque revenu avec le mât au vent, le barreur doit être prêt à monter dans le bateau pour éviter qu'il ne rechavire. Un équipier expérimenté peut rester sur la dérive et monter directement dans le bateau. Avant et après les manches, vous devez à chaque fois vous échauffer, puis vous étirer afin de ne pas vous blesser.